Hey, bonjour, c'est Macha et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre Veuve Noire Challenge sur les Sims 4. Et nous avons nos deux victimes qu'on a récupérées à la fin de l'épisode précédent qui sont là, dans la piscine, tous les deux. Alors ça se voit pas, hop, hop, voilà, tous les deux. Une ici et l'autre ici. Et du coup, comme vous en doutez, bah, ils vont gentiment prendre le temps de mourir noyés. Également, une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nanami. Donc, on va pouvoir lui faire un gâteau d'anniversaire uniquement. Parce qu'on va pouvoir du coup la tuer. Et du coup, on va pouvoir inviter nos voisins et tuer nos voisins. Non mais quelle bonne nouvelle, vous trouvez pas? C'est mignon, ce jeune couple. Enfin, couple, ex-couple vont pouvoir mourir ensemble. Qu'est-ce que c'est beau l'amour, vouloir mourir en même temps que son partenaire. Et donc, que fait Nanami de bon matin, vous vous doutez? Elle prépare son gâteau d'anniversaire afin de pouvoir mourir dans la journée. Qu'est-ce que c'est bien! Oh, les esclaves, quand ils vont se condamner eux-mêmes! Néanmoins, nous allons avoir une légère difficulté car nous n'allons pas avoir d'esclaves avant 5 jours puisque les jumeaux ne sont pas encore assez grands pour pouvoir s'occuper de toutes les tâches ménagères. Faire la cuisine, tout ça, donc ça risque d'être un peu compliqué ces prochains jours. Mais c'est pas grave, parce qu'on a un majordome et normalement une dame du ménage. Nanami va pouvoir faire un vœu, évidemment elle fête son anniversaire seule, car il n'est pas nécessaire de faire descendre toute la famille pour une esclave. Mais surtout, après on va pouvoir la tuer. Allez, souffle! Bien pour mourir, oui! Attention! Attention, et la voilà adulte, elle est irresponsable, ça on s'en fiche de son trait de caractère. Oui, Nanami, tu es jeune adulte, magnifique. Allez, va dans cette salle de piège et essaye de t'amuser avec ça. On va voir, je voudrais la faire que brûler ou électrocuter. Oh oh, ça n'a pas marché. Et du coup, elle est pas contente, mais c'est pas grave. De toute façon, normalement, rien ne marche, puisque on n'a pas de quoi... On n'a pas, comment dire, de porte. Notre petite héritière est réveillée, et elle va pas hyper bien, comme vous pouvez le voir, donc elle va manger. Puis après, je pense qu'elle jouera gentiment aux jeux vidéo, histoire de se détendre avant d'aller à l'école. Ah! Elle s'est fait pipi dessus à cause du... À cause de la peur qu'il lui a fait. Non, tu vas pas prendre de douche. Tu mourras sale, c'est pas grave. Descends. Descends. Dis donc, toi, tu nettoies. Ça va pas te salir? Non, non, tu nettoies. Tu iras à l'école après. Oui! Elle est en feu! Youpi! Bon. Et une mort qui va se passer dans pas longtemps. Une! Allez ma chérie, tu peux aller à l'école s'il te plaît maintenant. Tu es détendue, donc il faut que tu y ailles. Si tu veux, tu as le droit d'aimer les jeux vidéo. On va gentiment maintenant attendre avec notre héritière que les deux amoureux là, nos deux esclaves, enfin nos esclaves, nos victimes plutôt directes, vont mourir et ensuite on pourra aller draguer là-bas. Allez, meurs. Oui, elle est morte. Youpi, adieu Nanami, adieu Nanami, tu es morte, la la li la l'air, adieu Nanami, tu es morte, la la li la lou. Le faucheur est en train de dire, oh là là, toute sa famille y est passée, d'abord ses parents, ensuite son frère, maintenant elle, oh là 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 là, mais c'est quoi, qu'est-ce qui tue autant de Sims, oh là 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 là. Et attention, fauchage!
Et ça y est, youpi! Elle est fauchée, la la l'air. Et du coup, la tombe de Nanami a rejoint la tombe de toute sa famille. Et une famille a été détruite, ça y est. Ah, quelle joie, je suis ravie, pas vous? Oh! Beth est en train de mourir! Youpi! Une deuxième mort déjà! Oh, quelle joie, quelle joie, quelle joie! La 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 la! Ah, j'ai loupé, Beth a été fauchée du coup! Parce que j'étais en train de me concentrer sur le fait que j'avais pas de photo de lui. Du coup, j'ai fait descendre Anna. Oui, c'est Anna. Non, c'est Sophia. Oula, je les confonds. Pour faire des photos. Et du coup, elle vient de remonter. Et du coup, j'ai loupé. Je suis désolée. Et ça y est! Comment il s'appelle déjà? Jules est en train de mourir. Et en montant d'un niveau en athlétisme, je tiens à signaler qu'il est monté d'un niveau pile au même moment. Bravo Jules, c'est bien! Et voilà, il a été mis en place du coup, la tombe et la tombe! Ha ha ha! Youpi! Ce qui fait qu'on va pouvoir, maintenant qu'on a trois places dans notre foyer, aller voir les voisins d'en face! Allez, let's go! Vous avez vu comme elle est heureuse. Et oui, évidemment, tuer des... Oh! Il y a un incendie chez eux, zut! Où ça? Ah non, 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 non! Quoique... C'est pas grave, hein? Bon, notre Sims l'a éteint. On vient le sauver d'un incendie quand même, hein? On arrive pile pour le sauver d'un incendie. Vous vous rendez compte un peu quand même de la chance. Il était destiné à rencontrer notre veuve noire. Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir pour le jour de l'amour? On va lui offrir le bonnet panda. Mais elle se fait harceler. C'est au moins la quatrième fois que je raccroche. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle et souvent c'est des fantômes d'ailleurs. Vous savez pourquoi c'est des fantômes qui m'appellent? Je comprends pas, j'en connais pas tant que ça quoi, non mais... Hé, il est pas réticent! Mais arrêtez de m'appeler les Sims! Bon, on va toquer à leur porte pour au moins pouvoir aller faire pipi chez eux et regarder tous les biens qu'ils ont pour voir l'argent qu'on va se faire évidemment! Que fait notre fils ici? Je t'ai jamais dit de venir avec moi, tu rentres à la maison. Non mais un esclave qui traîne partout. Oh, quelle horreur! Il est où notre future victime? Qu'on a sauvée? Il est où? Je l'ai pas vu passer dans la maison. Bah non, ça va pas. Oh, c'est dommage. Du coup, je viens de lui proposer un rencard et on va faire le rencard chez nous. Comme ça, on pourra s'occuper de notre petite héritière. Pour lui monter un petit peu ses manières, sa responsabilité, tout ça quoi. Ou peut-être faire baisser l'empathie en criant sur quelqu'un. Je ne sais pas encore. Nous voilà arrivés à notre rencard. On va pouvoir être un peu romantique. Et un peu aussi, bah du coup, amical parce qu'on n'est pas encore très haut niveau. Un incendie s'est déclaré sur notre terrain. Où est-ce qu'un incendie aurait pu se déclarer sur notre terrain? Attendez, les héritiers, enfin pas les héritiers, mais les esclaves sont tous à l'abri. Et elle aussi. On m'a dit qu'il y a un incendie, mais ils ont pas l'air très stressés par cette information, c'est bizarre. Je comprends pas. Ok, il y a eu un incendie, on m'a donné de l'argent pour réparer ce qui a été brûlé, mais je sais pas ce qui a été brûlé. Ok, si vous voulez. Et regardez-moi ce petit qui est d'accord pour se faire embrasser les mains, qui n'est pas du tout... Enfin, qui n'a pas du tout pas envie d'être avec elle. En même temps, qui peut résister à notre magnifique petite veuve noire? Oh, ils s'embrassent!
Vous avez vu, ils se sont embrassés de manière totalement, mais... incroyable. Du coup, premier baiser, ça a marché. Hein, vous vous en doutez? Oui. Première étape vers la mort. Le premier baiser. Embrasser la veuve noire veut forcément dire mourir. Mais arrête de t'en aller. Ils s'en vont toujours, mes Sims, quand je parle avec eux. Ça m'énerve. Ça fait 4 fois qu'on a la croix d'arrêter de discuter. Bah non, on n'arrête pas de discuter. On veut discuter avec lui jusqu'à plus soif. Il vient d'être petit ami. Après, on va aller faire gentiment crac-crac dans le placard. De manière à ce qu'on puisse le demander en mariage et se marier, évidemment. Et voilà, ils ont fait leur petite partie de crac-crac. Youpi! Maintenant, on va le prendre en photo pour pas oublier cette fois-ci. Parce que notre mur doit être plein et ensuite, on va peut-être pouvoir le demander en mariage. Regardez-moi ce beau gosse. Ouf! J'ai oublié, évidemment, parce que je suis une andouille. Je ne peux pas le demander en mariage car il est marié. Donc, il va falloir le convaincre de rompre avec sa petite amie actuelle, quoi. Voilà, convaincre de quitter son conjoint. Ouh, youpi ! Il va accepter. Je crois qu'il a accepté. Et du coup, maintenant, on va pouvoir le demander en mariage. Et du coup, on va pouvoir bientôt hériter de sa maison complète. Non, je veux demander en mariage mon petit ami. Alors ne venez pas me parler maintenant. Surtout qu'il va faire pipi dessus, ça va être génial pour le mariage. Parfait, comme d'habitude. Regardez notre Sims. Oh non! Il a refusé! Mais pourquoi? Mais refuse pas, t'es méchant! Mais il a refusé! Il veut peut-être qu'on refasse crac-crac avant, pour revoir si tout va bien. J'aime bien faire crac-crac, on a quand même 4 choix sur notre terrain. Oh, on a plus d'âmes sœurs qu'autre chose. Waouh, attends, cela va tellement vite, on vient de s'embrasser pour la première fois et tu veux déjà qu'on se marie? Pourquoi autant de précipitation? Profitons du moment présent, on pourra penser au mariage plus tard. C'est la première fois que j'ai ça. Je sais pas si vous l'avez déjà eu, mais moi je l'ai jamais eu. Sérieusement. Mais c'est surtout qu'il faut absolument que je m'en occupe avant qu'elle soit triste à cause de son ancien mariage, vous voyez. Et pour l'instant, elle est protégée, on va dire, par tout ça, mais jeune mariée, ça va bientôt disparaître aussi, donc... tant qu'elle est heureuse, je vais en profiter, quoi. Rancard terminé, médaille d'or, évidemment. Ça ne pouvait être autrement avec notre Sims. Du coup, on va peut-être lui demander de rester, demander de passer du temps. Qu'il s'en aille pas tout de suite. Inviter à rester dormir. Oh, il se fait pipi dessus. On l'aura souvent rencontré sale, dis donc, notre Sims. Notre futur mari. Bon, il va faire une douche. Il va où? On a plein de fantômes chez nous, c'est génial. Allez, demande-le en mariage, s'il te plaît. Accepte, accepte. Oui, il accepte. Youpi, j'avais trop peur que ce soit encore trop précipité parce qu'ils avaient encore le cœur brisé. Oh, ce qui fait qu'on se marie immédiatement avec Geoffroy. On n'attend même pas 5 minutes, 5 secondes. Non, on se marie tout de suite avec ce crasse-pouille qui est encore tout sale. De l'argent. Oui, de l'argent, s'il vous plaît, donnez-moi des sous. On aura visé quand même deux personnes qui vont pouvoir nous rapporter plein d'argent. En 2 épisodes, qu'est-ce qu'on aura rattrapé le retard qu'on a pris? Parce qu'on n'avait plus beaucoup d'argent ces derniers temps, je trouve. On était pauvres, vous imaginez? Pauvres! Et les voilà, mari et femme, oui! Youpi! Surtout que c'est un vieux. Et que la femme de ce vieux est un vieux aussi. Enfin, est vieille aussi. Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir s'amuser un peu avec leur mort de vieillesse, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Et plus 300 000 simflouzes, oui!
oui, l'argent, de l'argent. Ce qui fait que on va, j'espère qu'elle mourra assez vite d'ailleurs, on verra un peu son évolution, mais j'aimerais qu'elle meure de vieillesse, parce que ça pourrait être une mort assez sympa à tester, mais il faut qu'on fasse attention, puisque je crois qu'on a le droit qu'à 5 jours des Sims adultes dans le foyer. Lui, je veux qu'il meure d'épuisement. Du coup, ils vont partir... Non, ils vont partir faire crac-crac tous les deux. Et écoutez, c'est sur cette petite partie de crac-crac qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner et partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !